souhaitais vous emmener dans les années folles, les années 30. Les années 30 sont sur le plan économique des années très difficiles dans le monde qui ne se remet pas du krach financier. La famine s'installe peu à peu partout dans le monde et amène malheureusement la Seconde Guerre mondiale. En France, vers l'année 1936, le Front populaire de Léon Blum arrive au pouvoir avec l'introduction des congés payés. La musique et la danse sont des échappatoires où le jazz se fait appeler swing et où tout le monde danse le lindy hop, l'ancêtre du rock. Quelque part en 1930, à Paris, dans un bar-café appelé le Bacchi Salsa Dance, c'est l'effervescence. En effet, la création d'un nouveau show afin de lutter contre la crise de l'époque, les professeurs au titre de belle chorégraphie, un champion de France et une journaliste puissante vont modifier le destin du bar-café et de ses clients. Bienvenue à vous dans les années 30, messieurs, dames, et surtout, bon spectacle. I loved you, never knew how much I cared.
Gosto mais quando me apertas a tatuagem. Beija minha boca, por favor, não fala mais nada, meu amor. Passa tua mão pela minha boca. Gosto mais quando me apertas a tatuagem. Beija minha boca, por favor, não fala mais nada, meu amor. Passa tua mão.
even care it. She want all my loving, so I dare just love it. And I didn't give me play.
Oh,
sueño es ver de nuevo todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de Dios, que lo sé yo. Mi cuerpo ya no muere.
sous le soleil et sous la fourroie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui est à faire rebondir autour de moi. Strong reverse music. Emporté par la
continue, on continue, on continue, DJ, quand tu veux. On commence, reculez là-bas. On commence avec le grand. Il a l'air fort, il a l'air chaud, il avait comment? Du bruit pour Milan, s'il vous plaît. Allez, va la toi. Le premier qui fait le plus grand. Et pense, pense, pense.
Here we go! Come on.
beat. Thank you.
salam alaikum, you know it energy. Hope I put a smile, bring to me like baby. Cause if it will get me, cause in my cup of coffee, this will just make me up a mood, I will be not on the lip. Now what it do, you coming with me. Let's get drunk in the 666 on the beach. You can't shit, go to the last time. Mama, but before they call it, you better get to the level. Ayer yo te encontré.
Waouh, 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 waouh. Merci, merci, merci. Je suis désolé parce qu'en fait, on a une barre de son pour terminer la chanson, le spectacle. Mais comme les régies, à mon ami, il a eu le son à la dernière minute, il n'a pas eu le temps de mettre comment dire, le son. Encore une fois, je vous demande très fort de vous applaudir vous-même parce qu'en fait, vous êtes présents aujourd'hui. Et très bien, plus tranquille de l'avant. J'ai pas entendu, mais franchement, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Merci. Est-ce que ça vous a plu le spectacle? J'ai pas entendu, est-ce que ça vous a plu? Voilà, ça c'est bien. Vous savez que cette année, le Fekisatsaden, ça fait 12 ans qu'on existait sur la guerre, pendant 12 ans. Et aujourd'hui, je savais même pas, quand j'ai créé cette association, aujourd'hui, si je devais être monté sous scène, je pensais pas. Et encore une fois, vous savez très bien, en tant qu'un responsable, en tant qu'un président, je pouvais pas être là tout seul et agrandir Fekisatsaden. Heureusement que j'ai une équipe avec moi. On a une équipe pendant 12 ans qui travaille vraiment main dans la main. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, surtout pour mes adhérents, pour vous et pour l'équipe de Fekisatsaden. Ils ont toujours été présents. Quoi qu'il arrive, il pleut, il neige, hein, vous êtes toujours là. Comme j'ai toujours respecté ma promesse, parce que l'année dernière, j'avais fait une promesse, après le spectacle de finale l'année dernière, pour ceux qui étaient là, j'avais promis que l'année prochaine, ça va être dans les grandes salles. Ça va être dans la grande salle. Mais cette année, on n'aura pas la grande salle encore, parce qu'en fait, la grande salle, il faut la réserver. Il faut deux ans avant la réservation. Ok, vous savez encore, qu'est-ce que je voulais dire avant? Je vais présenter mon équipe, parce que moi tout seul, je ne peux pas. À moi tout seul, je suis le président et professeur, mais comme j'ai une équipe, en premier lieu, je vais appeler d'abord Adeline. Je vous demande d'applaudir très fort Adeline. Voilà, voilà, voilà. Encore une fois, applaudir Adeline très fort. Voilà. Salut Adeline, c'est elle qui gère toute la partie administration de Fekisatsaden. C'est elle qui gère tout ce qui est administration. Vous savez très bien ce que ça veut dire administration. Et maintenant, je vais appeler Karine. On vous demande d'applaudir Karine, qui est là-haut. Où est-ce qu'elle est, Karine? Karine, Karine, on vous attend. Voilà, Karine, avec ton père, viens, 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 viens. On a besoin de vous. Elle est là, on peut l'applaudissement pour Karine. Elle fait un travail magnifique, vas-y, droit ton père, on vous attend. Voilà, ça c'est Karine, voilà. Et en fait, voilà. C'est Karine qui gère tout vraiment. La partie de finances de Fekisatsaden. Moi, je ne sais même pas si elle peut faire un chèque, même pour moi à la fin du mois, et aussi pour les profs. Ok, et enfin, je vais appeler d'abord Hermelinda, qui était la présentatrice du spectacle. Je vous demande d'applaudir très fort. Voilà, voilà, voilà. Voilà, est-ce que ça vous a plu, Hermelinda? Elle était plus là. Voilà. Voilà, voilà, merci. Et pour terminer, parce qu'il y a quelqu'un qui travaille tous les jours, tous les dimanches, du vendredi, samedi, dimanche, parfois qui vous harcèle avec des textos, des téléphones, des mails, vous le connaissez tous, c'est Carmen. On vous demande vraiment d'applaudir très fort, Carmen. Voilà. Voilà, ça c'est l'équipe complète du Fekisatsaden. Comme souvent les gens disent, les personnes et les drôles de femmes, eh bien je suis au milieu, voilà. Voilà. Ça c'est l'équipe star du Fekisatsaden qui gère pendant 12 ans. Pendant 12 ans aussi, on a des profs qui sont là avec nous pendant toute l'année. On a un prof vraiment qui est là depuis quand on a commencé la Kizomba. Je vous demande vraiment d'applaudir un très très applaudissement pour monsieur Samuel et Brissia et Sabatena. Samuel et Brissia. Samuel et Brissia, vous êtes tous. Samuel et Brissia. Voilà, voilà, voilà. Ça, voilà. Depuis qu'on a commencé, ça va faire presque 5 ans, on a 4. 5 ans depuis on a instauré Kizomba avec M. Samuel et sa partenaire, ils sont présents avec nous et ils ne lâchent pas. Et l'année prochaine, ils seront encore plus solides avec nous. Je vous demande encore de les applaudir très fort. Voilà, voilà, ça c'est encore le prof. Et je vous demande d'applaudir Alexandra et Jérémy. Ça c'est le prof de Bachata, de Lutat, qui est là avec nous. Ça fait 3 ans. Trois ans, voilà. C'est la troisième année avec nous. Vraiment, c'est une bonne équipe parce qu'on dit souvent, une équipe qui gagne, c'est une équipe géniale. On est d'accord? Voilà.
Ok. Il nous manque encore un autre prof. Hein. Vous savez très bien, vous avez le prof de Raphaël qui fait salsa interne, bachata interne. Je vous demande vraiment d'applaudir Raphaël. Voilà. Et ça, c'est l'adulte de Bébé Satanère. En tant que moi, le, comment dire, le capitaine. Eh ben voilà, sans le capitaine et sans mon équipe, on ne peut pas gérer ça. Et je vous demande vraiment de les applaudir très fort. Voilà. Et je demande à tous les danseurs, danseuses, à tous les participants, vous montez sous scène. On vous demande de vous l'applaudir très fort. Vas-y. Encore une fois, voilà. Merci encore. J'ai pas entendu, on les applaudit. Voilà. Voilà, il y en a encore qui sont restés derrière. Voilà. Merci, franchement, merci encore parce que le spectacle, on a réalisé un super spectacle l'année cette année. Et je suis super content de mon staff et de tous les adhérents et de tous les invités.